J'ai d'abord ressenti de la tristesse lorsque j'ai découvert la presse. Et puis les larmes ont laissé place à la colère quand la barbarie a atteint l'hypercachère. Alors j'ai prié pour demander la paix. Mon Dieu n'avait aucun nom. Il n'appartenait à aucune religion. Je lui ai demandé d'arrêter de nous prendre pour des pions, de nous faire croire que nous ne pourrions pas être dans l'union, comme s'il était le maître d'un jeu, Hunger Games, et que c'était nos vies qui étaient l'enjeu, comme si une seule équipe pouvait gagner, en prenant soin d'éradiquer toutes les autres. Carton rouge. J'ai enlevé mon maillot bleu-blanc-rouge. J'ai refusé d'être l'adversaire de qui que ce soit. Et j'ai souhaité très fort que d'autres fassent comme moi. Qu'ils mettent toute leur énergie au service de la paix. Et que dès le plus jeune âge, on apprenne le respect. Depuis la nuit des temps, les religions se battent et ont leur propre discours. Alors que tous les dieux sont amour. Pourquoi tous ces dieux ne seraient pas frères? Et nous tous cousins, au contraire? Pourquoi je ne pourrais pas avoir une cousine juive et un cousin musulman? Pourquoi on ne serait pas tous de la même famille, des frères et sœurs de sang? Mais je ne peux pas dire que je suis Charlie. Je suis pour la paix, l'amour, la vie. Je suis pour la possibilité de pouvoir s'exprimer. Mais de le faire dans le respect. Il est de mauvais goût de se moquer des handicapés. Autant que de voir un prophète se faire sodomiser. Je sais que les limites existent pour être dépassées. Mais pourquoi ne pas se surpasser dans le domaine de la paix? Je suis de la génération du Club Dorothée. J'y ai vu Cabu en caricature et son nez. C'était quelqu'un que j'appréciais. Je suis triste que cela ait pris cette tournure. La plupart a succombé à ses blessures. Est-ce utopiste de souhaiter qu'un jour on s'entende tous, que le terrorisme ne soit plus à nos trousses? Pour moi, la France de demain est celle qui se donne la main. Qu'elle soit voilée, qu'elle porte une croix ou une kippa, qu'elle soit blanche, beurre ou noire, moi je garde l'espoir. Parce que c'est dans les pires moments que les gens se souviennent qu'ils sont vivants et que tous ensemble, ils peuvent faire de grands changements. Je suis Charlie était un beau slogan, mais non, je ne suis pas Charlie. Moi je suis juste Camille. Je suis pour la paix et la liberté de s'exprimer dans le respect. Le respect.